personnes qui vont être sur scène avec Charlotte Talbot qui est la directrice d'Emmaüs euh, Royaume-Uni qui va animer cette table ronde sur l'éducation intitulée éducation et éveil des consciences face aux enjeux d'injustice, de pauvreté et d'exclusion dans le monde. Et pour cette table ronde nous accueillons Refat Saba euh, de Palestine et Raimunda de Oliveira du Brésil. Merci à eux pour être là. Refat est engagé sur les questions de l'éducation à l'échelle mondiale à plusieurs titres. Il a notamment été président de la campagne mondiale pour l'éducation en 2018. Bienvenue, Refat. Ramunda est une éducatrice de base avec de l'expérience en facilitation en organisation de, de développement organisationnel et de planification participative. Elle a proposé des formations pour les éducateurs et éducatrices et des formations pour leaders de mouvements sociaux, syndicaux et populaires. Elle met à profit son expérience pour développer des méthodes d'intelligence collective et d'éducation populaire au sein de plusieurs organismes. Bienvenue à vous deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai été ravie d'être invitée en tant qu'animatrice de cette table ronde thématique. La... Lors de la préparation, j'ai été surprise d'un élément qui était présent lors du... dans le rapport mondial de notre lutte contre la pauvreté. C'était l'égalité des opportunités. Des opportunités commencent par le manque d'éducation. Éduc... L'éducation, qui est l'une des. Des premières sources d'exclusion. Cela peut être évident, mais il y a deux phrases what qui sont claires et qui montrent à quel point l'éducation est fondamentale dans toutes ses formes et pourquoi celle-ci est si cruciale pour la transformation sociale et euh, la résolution de la pauvreté. Mm -hmm. Mais quand on parle de l'éducation dans le contexte émergent. On définit l'éducation de manière très large. On parle de l'éducation formelle et informelle, qu'elle soit professionnelle ou politique, l'éducation civique ou également l'éducation autour de l'éveil des consciences. Il y a un ensemble d'activités d'éducation et d'éveil des consciences qui sont organisées au niveau du mouvement. Ces activités sont organisées dans l'intérêt de toutes les populations et jouent un rôle essentiel pour l'inclusion sociale. Afin d'avoir une idée de ce qui est fait au niveau de l'éducation, j'ai des questions à vous poser. Cela a fonctionné lors de la table ronde précédente. Donc, quand vous répondez à ces questions, prenez en compte la définition de l'éducation aussi large que telle que je l'ai décrite juste avant. Si vous le pouvez, levez-vous. Si dans votre groupe, vous faites de l'éducation formelle. Si vous pouvez lever vous si, dans votre groupe, vous faites de l'éducation non formelle ou populaire. The Levez-vous si votre groupe mène des actions anywhere. éducatives auprès d'enfants. Levez-vous si vous le pouvez. Si votre groupe mène des actions d'éducation ou de formation auprès d'adultes, et si votre groupe mène des actions éducatives à travers l'art et la culture, levez-vous si vous le pouvez. Nous, nous avons quelques personnes là -bas sont... par là-bas qui ne se sont pas. Pas assis tout au long enfin, des questions et si cela est fantastique. Et si votre groupe mène des actions de formation ou de sensibilisation de sur des enjeux sociétés, ou sociétaux politiques, ou politiques, levez-vous si vous le pouvez. Normalement, tout le monde devrait se lever. Donc, nous avons que de nombreuses personnes se sont levées dans la salle, ce qui montre que nous avons des bases très solides sur lesquelles partir. Ça démontre le travail qui a déjà été fait au niveau des autour de l'éducation. Les MAUS continuer à mener ces actions. Dans toutes les situations les où l'État ne joue pas son rôle, des situations dans lesquelles les infrastructures d'éducation ne sont pas suffisantes ou dans des situations de discrimination to qui right. empêchent l'accès à ce droit fondamental qu'est l'éducation, de plus en plus de groupes Emmaüs ont mené des, des activités d'éducation. Je me tourne désormais vers nos intervenants et intervenantes pour avoir plus d'informations sur l'éducation. Et on va essayer d'être le plus bref possible car nous sommes un peu en retard. Okay, Refat, so could... Refa, je vais commencer avec et vous the et you, je vous poserai la même question à Raimonda How ensuite. Comment avez-vous vu évoluer la place à et l'importance de l'éducation dans votre contexte et à quels enjeux globaux faisons-nous face aujourd'hui Merci beaucoup. Je voulais également I remercier. Et international de l'invitation. J'espère que mon anglais sera assez bon pour les interprètes pour qu'ils puissent interpréter vers le français et l'espagnol. Un professeur français m'a dit une fois que si votre objectif est clair. Et si vos idées le sont également, people, la langue dans laquelle vous parlez n'importe peu. Right. Tout le monde peut vous comprendre si ces idées from, sont claires. Je pense que ce professeur avait raison. J'interviens en plein milieu d'une tragédie humaine qui est la guerre in Gaza and the West Bank. qui a lieu It's en Cisjordanie in et à Gaza, et surtout Without à Gaza. Des personnes se no retrouvent water. sans rien, sans no eau. Sans, sans emploi, food, sans alimentation, no house, no sans logement, sans enfants. Mais l'espoir reste. Et c'est ce que nous essayons de maintenir quand nous travaillons avec les know, populations. Nous essayons de maintenir l'espoir. Je ne sais pas comment nous, nous définissons conflict, la pauvreté, mais la guerre et les conflits sont les raisons principales de l'existence de la pauvreté depuis de nombreuses années. Quand la guerre à Gaza a éclaté, mon organisation... Euh, le teacher Creativity Center TCC à Gaza a essayé tra de travailler sur place apporter un soutien à travers des activités avec les enfants pour essayer de réduire le fardeau qu'ils avaient sur les épaules Quand le rapporteur spécial nous a parlé d'un des facteurs de, du combat de la lutte pour la pauvreté est très lié à la peur la peur Feel it until et quelque chose qui ne peut pas this. se ressentir jusqu'au moment où vous faites very, very face aux événements. Bad La peur est un sentiment atroce. Started, uh, 20, et quand, the people, en octobre 2020, nous avons what you, what commencé the à aider euh, les personnes, no, ils nous ont actually, demandé « qu'est-ce que vous allez faire avec l'éducation alors que des personnes meurent ?» Nous leur, leur avons répondu que, que l'éducation est un instrument qui peut aider à survivre. Car en période, en période de guerre, temps, vous avez parfois besoin de connaissances et de compétences pour de 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 compétence faire face aux situations. Ici, je ne parle pas de l'enseignement des mathématiques ou des sciences. Il faut leur enseigner. À maintenir leur humanité. Parce que l'une des choses que la guerre nous vole, c'est notre humanité. humanité. Et le fait d'être capable de récupérer son humanité est l'une des choses les plus essentielles. Sans cela, nous, nous ferons face à un effondrement. In the definition of the human rights, in the definition of the de education, I don't think we can define the education without a definition la a clear definition of the, of the human being the clear definition why the education happened historically. L'éducation a été si importante par le passé. De nombreux philosophes, notamment en Europe, parlaient de l'âme, de l'esprit et du corps, qui pouvaient aider les êtres humains à se comprendre à comprendre les situations auxquelles ils faisaient face. Cette compréhension permet de devenir une meilleure personne dans la vie. L'enseignement est d'aider les êtres humains à se découvrir, à découvrir qui ils sont, pour qu'ils puissent travailler de manière collective. En tant qu'être humain, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel vous vivez. Parce que si vous savez où vous vous trouvez, vous aurez une meilleure compréhension de votre personne et des autres, et vous pourrez assumer vos responsabilités en tant qu'être humain pour aider les autres. C'est pour ça que quand nous parlons de paix, l'éducation est l'un des outils les plus importants afin d'aider les autres, afin à obtenir la paix. Il est important premier d'être paix de manière interne. En premier temps. The education will not able to bring Sans cette the paix people intérieure, nous ne parviendrons pas à obtenir that's why de paix collective it's very important entre tous les êtres humains. C'est pourquoi l'éducation est, est people, essentielle. Uh, il faut from, se concentrer uh, sur uh, les individus themselves. dans un premier temps. So it's very for the to les the clés... Pour toutes et tous de comprendre le lien entre euh, this, chacun this works, et une humaine, notre posture dans ce réseau humain. So, in, in this challenges that we are facing, en ce qui concerne les défis auxquels nous faisons not the world, face, the pas seulement euh, les guerres, the the pandemic, les conflits, disease, les pandémies, les maladies, la situation économique. I think the education Selon moi, l'éducation devrait être centrale. Nous avons besoin de repenser l'éducation. Après tous les défis qui ont surgi, il faut education. que nous trouvions un nouveau contrat d'éducation. Une éducation qui n'aurait pas une claire définition des êtres humains doit être reconçue, remise en question. Il faut repenser l'éducation, repenser notre éducation. Parce que l'une des questions que nous devons nous poser, c'est de quels êtres humains parlons-nous À Gaza, et je m'excuse car je. Je parle de Gaza car je viens de là-bas. Là-bas, le, le plus dangereux, ce n'est pas de savoir le nombre de personnes qui sont assassinées, 40 000, 50 000, mais c'est la manière dont ces personnes sont, sont assassinées. C'est ça le plus dangereux. Vous devenez une menace en tant qu'être humain si vous utilisez des façons atroces et inhumaines de tuer d'autres personnes. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est de normaliser le meurtre de personnes. Au Soudan, il y a des milliers de personnes qui meurent so n'en parle pas. People, et donc le plus dangereux, c'est de rendre cette situation normale. Et en tant qu'éducateurs, éducatrices, nous jouons un Because rôle non seulement pour aider ces personnes, mais the il faut the of the accepter et être conscient de cette normalisation montre que nous commençons à accepter ces violences. Nous les acceptons éthiquement et si cela a lieu, nous n'avancerons pas. Le, si nous acceptons le fascisme, le nazisme, le racisme, nous allons nous entretuer. Nous sommes en train d'accepter de, euh, de manière éthique le fait que nous nous entretuons. C'est pour ça que dans l'éducation, il est important d'adopter un nouveau contrat social. Et je pense qu'il faut réfléchir ensemble pour autour de ce nouveau contrat social. Et comment renforcer la solidarité, renforcer l'empathie, la sympathie. C'est ce important quand on parle d'éducation. You cannot solve the, the poverty Paris, on parle de pauvreté. France, on ne peut pas résoudre les questions de pauvreté sans euh, penser de the manière collective. Nous sommes dans cette lutte ensemble. Quand nous parlons d'éducation, on parle d'anthropocentrisme, qui est euh, L'attitude qui vise à se concentrer sur sa personne, sur soi. When we are speaking about the climate change, quand on parle we are du changement climatique, nous enseignons the human is the most aux êtres humains also. que l'être humain est le plus important de cela. C'est pourquoi les étudiants ne sont pas toujours intéressés. Uh, de savoir qu'il y a des in incendies euh, qui We ont lieu en ce moment au Brésil. Certains étudiants ne s'occupent pas de cela climates. ou ne s'occupent pas des animaux We qui sont Et tués. Et cela est une réalité sur les questions climatiques. Et cela est causé par l'impérialisme économique qui rend la valeur. Economy. Lié les êtres humains à la valeur économique. Votre valeur en tant qu'être humain est liée à l'argent. Et si vous regardez le sud, le global, vous verrez qu'il se concentre sur les indices d'accomplissement académique. Mathematics, les sciences, les maths, la technologie. Quand on have sur la tolérance, sur la citoyenneté, sur l'humanité, nous n'avons aucun, aucun indicateur. We never indicateur. Nous ne pas dire can't say Donc il n'y a pas de système. Loudly, éducatif against the hate qu'ils sont clairement contre la haine. haine. Nous ne sommes pas en train de travailler country, contre la haine. Dans certains pays, da... nous encourageons and la haine sans que will, personne ne le sache. We C'est pour ça que nous, nous rentrons dans ces boucles conflict, de conflits year year, incessants, d'année en année. Fascisme, fascisme, hate, violence, le, le fascisme, la violence, and la haine, the, haine reviennent. Its will et cela a un impact, impact et va continuer à impacter l'économie. Cela the a un impact sur toutes les personnes en situation de pauvreté. Mais la pauvreté, c'est n'est pas seulement, ce pas seulement le fait de ne pas avoir d'argent. C'est également when le fait don't de ne pas avoir le sentiment you de you ne pas travailler en solidarité, de, de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour faire face à ses propres problèmes personnes qui souffrent, des femmes qui souffrent, et qui n'ont pas de les connaissances ou compétences money, suffisantes pour se battre, pour lutter, sont pauvres, pauvres également. So si vous, vous avez de l'argent, so la peut-être que vous serez pauvre dans d'autres aspects. Alors la pauvreté devrait aller au-delà de seulement, seulement, euh, seulement penser à, à l'aspect économique. Et est l'impérialisme économique lie les êtres humains à leur valeur économique. The education, Et cela est you are lié utilisé education with the market l'éducation so actuelle l'éducation so est liée au marché so education On réagit toujours à la réalité to serve the philosophy, philosophy, la philosophie the education, éducative Penser l'éducation pour aider les êtres humains et, et non les pauvres. Actuellement, les étudiants, les étudiants ne sont pas capables d'analyser les idéologies qui influencent leur vie. Ils ne peuvent pas étudier les euh, politiques éducatives qui influencent leur vie. Which means ils étudient that if you have les questions money, autour du problème qui sont liées au problème. Ça se I résume à de, uh, si vous avez de l'argent, vous pouvez uh, vivre, uh, si uh, vous n'avez pas vous ne school. pouvez and pas vivre. Certains pays considèrent les écoles publiques comme pauvres considèrent le secteur privé comme riche. C'est très dangereux parce que cela montre que vous vous encouragez à maintenir l'exclusion de millions de personnes pauvres en dehors du système éducatif. Et cela est extrêmement dangereux et même la société civile qui travaille au cours de campagnes de plaidoyer est face à des situations difficiles. Car les that personnes ne sont pas capables d'analyser les idéologies qui ont une influence that now we sur are nos vies et d'analyser les politiques qui ont une influence. And sometimes, despite it is against them. Et so parfois, we'll cela va the à notre rencontre. parce que les impérialistes. Le néolibéralisme contrôle, contrôle la plupart des pays et donc les systèmes éducatifs this. défendent ces idéologies et ils ne s'inquiètent pas des résultats sociaux, des de la no, question de genre. C'est pour ça que dans le Sud global, on lutte, même, on lutte même contre le concept du genre. They consider it is part of the social outcome. Des fois, parce qu'ils considèrent qu'il s'agit d'une station sociale, ce n'est pas nécessaire pour eux. Donc, la chose la plus importante pour eux, d'être des ingénieurs, d'être des docteurs, des spécialistes en technologie, donc de ramener de l'argent. Voilà la crise de la science humaine. Et il est important que dans l'université, les personnes à y étudier l'histoire, la géographie, la sociologie. are the least students who have marks in the in the school, and that's why. the students fois, ces étudiants qui étudient ces matières humanistes sont ceux qui ont les moins bons points. And instead of in these years to have more urban culture between among all the people in the world, and to think about the best way. À la meilleure manière de vivre dans ce monde, au lieu de faire ça, on est en concurrence les uns avec les autres. Et donc, l'éducation est un outil pour construire une personnalité, des personnes, en tant qu'humains et non pas en tant que bêtes économiques pour les grandes entreprises. Merci beaucoup. Refat. Et uh, uh, Raimunda aussi, a la même question. Comment avez-vous vu évoluer la place et l'importance de l'éducation dans it. votre contexte et à quels enjeux globaux faisons-nous face aujourd'hui mm -hmm. mm -hmm. eh, de, de pez. Pez? Porque me debout, si Eu gosto me de ficar falando e olhando para as pessoas. Porque gosto de ver os olhos quando eu falo. Quero pedir licença para falar nesse Avant território. Antes de tudo, eu queria pedir. Espero que vocês, estou falando em português. Si Espero que os tradutores manière, e tradutoras estejam. Os intérpretes serão capazes de comunicar com vocês em português.

Mas euh, é para nos conectar com o sentido do que esse grupo faz, nous... da sua relação, avec le sens de tempo do trabalho, da sua relação de existência. Uh, eu queria começar dizendo isso, de son temps, de sa é bem importante. C'est très important pour moi et, pour parler, d d éducation, et parler de l'éducation, de l'évolution de l'éducation dans le territoire d'Amérique latine implique beaucoup de questions mais et, je et, et certains des thèmes ont déjà été discutés tempo, par mon Charlotte, collègue. Je pour voulais parler de trois points et j'espère avoir le de temps d'en parler. De Il est important que nous Pergunte puissions discuter de certains de ces thèmes. Afinal de contas, a gente está numa, numa atividade que né, relaciona muito contre, esse campo da educação. Isso é importante as, la, as diferentes vozes se expressarem nesse lugar. Né. Então, quero trazer eh, uma questão em que relação à educação na parole. América Latina, o que a gente Je tem percebido enquanto um elemento que vai le... construindo e reconstruindo esse território da educação.

Donc, pessoas comprometidas com essa pauta de regiões, social, que des seja mais com as pessoas e menos com a mercado, a evolução, vraiment, a educação evolui, em vários aspectos, evolui no aspecto do acesso evolui, a educação pública, no de evolui no aspecto da qualidade da educação pública, de la qualité evolui no aspecto da infraestrutura da educação pública. Mas tem desafios que ainda des persistem, mesmo entendendo que há essa evolução do acesso à à educação pública. É um un elemento da melhoração do, do que se paga aos professores e às professoras, ou seja, do salário, des do reconhecimento dessa profissão como uma profissão preparadora e construtora de consciência que que de... a partir do diálogo com con as pessoas, graças ao diálogo evoluir no aspecto et especialmente a dessa relação do de professor relation. educando ou Sur, como diria Paulo Freire, educando, et educando educador 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 de com as políticas sociais, especialmente de, com a educação, ainda é muito visível a necessidade sociale, de, de se construir uma educação que tenha como principal referência a construção de um outro paradigma educacional. Paradigma ou, como diz Paulo Freire, um paradigma de educação que seja libertador e transformador. É um desafio. Que persiste mesmo nos países da América Latina. E deram esses passos em relação pas, à, ao acesso avant, à educação. Um desafio que é bastante forte também tem relação com a permanência dessas pessoas, desses sujeitos jovens, Surtout, né, especialmente que acessam a educação, porque tem a ver com a pobreza que já muito de O painel anterior, o acesso, tem que estar muito anterior. relacionado às condições de permanência nas escolas. Então são esses desafios bastante bastante presentes. Ce Eu estou falando de um lugar, né, específico do continente latino-americano. Obviamente précise, que, que cada país tem lá as suas diferenças e as suas condições de efetivar essa política. Eh, mas tem alguns aspectos que são Au muito comuns. Questão da educação também, que onde essa, essa educação evolui tem muita relação On com a força organizativa a do povo. Spécialement, le de avec les travailleurs et les travailleuses de l'éducation, les syndicats, les associations de représentation qui sont liés então, à des syndicats et des aspects et des représentants qui représentent euh, l'importance de, euh, de l'éducation euh, et donc, voilà, jouer et partager ça. J'espère que l'on va pouvoir continuer avec le débat. J'espère e que les interprètes auront réussi à faire passer le message et ouvrir le débat avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc on va passer à une phase de questions et réponses très rapide. Raymond, je passe à, à toi après, juste pour euh, parler. L'éducation populaire n'est pas toujours facile à définir. Selon vous, qu'est-ce qu'apporte l'éducation populaire par rapport à l'éducation formelle Ok, continuando então. É, como eu disse, é Importante entender o que a é Charlotte fez referência de educação de base. Nós compreendemos como a educação popular. Uh, e é, aí eu fico pensando, comme... olhando para vocês, imaginando assim o que o que que vocês entendem por educação popular? Isso que vous... Charlotte perguntou de, quem eram as pessoas aqui que atuavam com a educação, tem um grupo ali que levantou qui a mão de, eh, fazendo referência à, ici, à, fond, à, gauche, à a questão que, que Charlotte levantou, levantou, né? a então, Charlotte levantou. Então, o primeiro elemento que, como eu não consigo Donc, ouvir vocês dizendo, né? O que é de fato a educação popular, eu vou conversar Donc, daqui com, com vocês, né? Eh, no CEAL, que é o Movimento de Educação da América petit, Latina e Caribe, do qual CAO, eu faço parte, de, né? Caraïbes, eh, eu e um grupo de companheiras e companheiras de vários 21 países da América Latina e Caribe compagnons compagnons entendemos a educação popular como euh, uma filosofia. Educação popular é uma filosofia. Uma concepção, est uma estratégia e um método educação nos interpela a construir um outro paradigma de educação, ou seja, uma outra educação. Ou uma educação para um un outro mundo. Uma educação que compreenda, que respeite os diversos inclut, sujeitos, ou os sujeitos na sua diversidade, Do seu diversité. jeito de existir e de se posicionar no mundo. É claro, Então, por isso e de é que a educação popular ela não é, é somente um método. Que Tem pessoas que relacionam a educação popular a um método, porque o que ficou mais conhecido avec un, avec nesse campo da educação popular foi o método de alfabetização cette... de adultos construído por Paulo Freire. D e difundido Brasil afora e Brasil e é adentro. Né, como a gente fala. Ganhou o mundo. De os vários continentes qu nos quais o Paulo Freire teve a oportunidade euh, de estar presente, de construir um uh, eh, diálogo com o povo a partir desse de método que ele qu construiu. Só que esse método de alfabetização de adultos, a, né? Inventé. Na verdade, é um experimento des que a gente chama de filosofia educativa. filosofia educativa. faz sentido na relação teoria-prática, na relação direta com as pessoas. De sens, portanto, na valorização dos saberes, do conhecimento da relação entre o professor ou a educadora com o aluno com o ou com educando, como Paulo Freire nomeava, éduquée, nomeia, na verdade. Então, Freire. esse trabalho de base, Charlotte, companheiros e Donc, companheiras, de base, né? a, a essência do trabalho de base se estabelece no diálogo, reside no diálogo o conhecimento está nas experiências das pessoas On... e que constrói, portanto, o saber e que constitui o saber e que promove e constrói as experiências das mais variadas A exemplo do que a gente está vendo diverses. aqui nessa Como isso não é? Então os saberes dessas pessoas transformado em arte né? Em objeto concreto, Oula. tangível. Construir obje... é oh, esse non. campo do trabalho de base que constrói o sujeito consciente ce do seu tempo. do trabalho de base que. Ele euh, um papelzinho euh, ali de um artista. Obrigada. Et question for you, Rafat, Rafat, j'ai une question pour you can vous. Minutes, so I know si on possible. peut y so, se um, tenir à deux minutes. En quoi votre implication un échelle long um, à un échelon global à travers la campagne mondiale the... pour l'éducation et votre engagement à l'UNESCO the... permet-elle de faire avancer les combats que vous menez plus localement I do je crois qu'à un niveau local, on se lie les uns aux autres et on peut accomplir des choses ensemble. Mais malheureusement, les questions d'éducation sont discutées au comité de pilotage global. Et les choses principales que nous développons, c'est une vision globale commune, qui est très importante. Et avant de m'être impliqué donc, dans ces mouvements d'éducation à l'UNESCO, franchement, on travaillait à un niveau très bas. Et être à un niveau global, ça nous donne une bonne manière de voir comment construire notre méthodologie et notre travail social. Parce que quand on travaille de plaidoyer, on ne peut pas en parler au niveau local. Il faut and the aller, and the aller au niveau régional et national. Par exemple, les, country, ne pas. Uh, les politiques Les politiques bancaires et financières ne s'appliquent pas au niveau local. Elles agissent so, au niveau uh, uh, like uh, global. Donc, si l'on veut accomplir quelque chose, en uh, dans tant que mouvement d'éducation. Il faut que nous le fassions de manière globale. C'est pour ça que nous avons une campagne mondiale d'éducation qui existe dans 120 pays avec des milliers d'organisations qui font partie de cette euh, de ces organisations qui n'ont pas la même, religion, la même religion, religion, qui n'ont pas la même langue, qui ont différentes et ethnicités, language, qui ont et différentes are, langues, de nouveau, big, il y a une énorme diversité dans cette campagne mondiale, et c'est pour ça que notre voix est réelle et forte. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour avoir deux, trois questions, questions okay. dans la salle? qui va être l'heureux élu? pour cette question. Pas de questions. Pas de questions. Ah, I think we have one. On voit une question we'll là we'll au fond. Buenas tardes à tous et à toutes. Bon, bonsoir à toutes et à tous, quand on parle d'injustice, de pauvreté, d'exclusion. La première chose à laquelle je pense, c'est les visages des femmes dans leur diversité, parce que je crois que quand on présente ces systèmes d'inégalité, nous présentons aussi des sujets qui sont très appauvris. Et dans ce cas, je crois que de parler d'une injustice sociale, précisément, et non pas, femmes souvent des femmes, les, les femmes. Et les Entonces, personnes les plus para vulnérables para sont des enfants aussi. De Pour parler de ces paradigmes d'un bien-être social et de liberté, comment est-ce que on les faire une approche? Où, où il y a des barrières et sociales tout, dans nos systèmes éducatifs et comment, comment aborder à aussi de et que ces questions dans euh, le cadre se où, se où, où on réplique ces schémas de de ces et comment accomplir? De on des, des inégalités, sans parler de des inégalités, dans ces systèmes d'inégalité, non pas seulement des, des inégalités, mujeres, inégalités no, entre hommes et femmes, mais bien en entre les, les diversités, diversités dans lesquelles ils sont immergés, et il plein de catégories de minorités. Il y des schémas de violences qui sont systématiques et que nous reconnaissons, ou que même nous invisibilisons. Voilà ma question. Quem quer responder? Qui veut répondre? Raimunda. Ah, eu Como se chama? Como você se chama? Comment vous appelez-vous? Catarina? Catarina Soto. Catarina, Catherine... obrigada Catarina Catherine por a tua Soto. por a tua provocação. Beaucoup, Catarina, Muito, por muitíssimo importante Catrice. compreender. Esse campo da exclusão e da violência tem uma matriz le cadre de é de la muito enraizada nas nossas sociedades. é o patriarcado. Então, discutir igualdade, discutir patriarcal, discutir pobreza, bem considerar essa matriz sem pensar. Pronomos consideração essa violência e que atravessa nossos corpos de mulheres e de homens que toca a discussão fica pela metade en tant que femme, et aussi en tant foi interessante a pergunta da que companheira que eu me lembrei de um aspecto que é super importante Julie, trazer para reflexão desse campo et da educação popular que importante e é a contribuição Et qui a du féminisme, beaucoup dans à l'éducation populaire. populaire et c'est la contribution du féminisme. Où l'éducation populaire. Paulo Freire disait, dans les années 90, le quant il a appris avec les femmes, avec les mouvements féministes, il avait appris avec avec les mouvements féministes, que le féminisme a une contribution extraordinaire en tant que tel dans le domaine de l'éducation populaire. Quand nous provoquons l'éducation populaire, Enxergar nas nossas abordagens, nas nossas reflexões, que Parce a sociedade que de classes a un tem seu impacto. E tem diferenças. Mas não pode ser tratado como desigualdade. Des des então, a les contribuição do feminismo, quando aborda, On de forma interseccionada feminismo ou de forma relacionada, para simplificar essa palavra classe, et... gênero, raça euh, e orientação sexual. Sur la de trouver Eu vejo que na relação problème. de temas que vocês propuseram, vai ter oficinas que vai estar abordando je, essa questão. E observando as questões que me foram propostas, os temas que foram propostos, eu vejo que haverá des ateliês que vão se ocupar desses problemas, desses desafios. Um termo aí bem nordestino. De fama, se é para estarem si nessa discussão contribuindo, procurando entender, problematizando esse lugar comum da educação popular que traz a discussão de classe articulado com essas outras frentes la, igualmente importantes na construção de, de um novo paradigma de educação e na construção de um projeto... Construire de un nouveau paradigme édu éducatif pour humains pour une société qui soit qui Merci. soit déterminée à défendre les Merci. êtres humains plutôt qu'au marché, défendre le marché. And I think everybody that brings this et je crois que nous allons so déclarer you'll all join me cette session close. Uh, J'aimerais remercier members, spécialement Refa nos membres du panel, Refat et, Refa et Raimunda. Merci beaucoup.